Bonjour amis pêcheurs, nous voilà pour une nouvelle session sur le Rhône. Alors c'est une session test où on va essayer des nouvelles cannes, une nouvelle version de l'hybride que vous connaissez. Et ensuite on est en train de tester une nouvelle canne pour la pêche réellement du silure, avec une puissance importante pour continuer à pêcher soit au vif, soit notre pêche de prédilection aux olies hybrides et aux hybrides, et maintenant au RH hybride. Et pour commencer cette session, rien de mieux, un beau silure qui dépasse les 2 mètres au RH hybride. Super. Quoi de mieux pour commencer cette session où va venir nous rejoindre Jérôme Cojol et le boss John Lewilling. Allez, à plus tard. Dixième big 4 de la session. Cinquième silure. Yes, bébé. Le dumbbell, puisque j'étais obligé de mettre un dumbbell, c'est-à-dire un olie hybride cuit à cœur, parce qu'il y a une telle frénésie des poissons blancs que finalement mes olies hybrides ils pêchent pendant même pas 3 heures et il n'y a plus rien au bout. On a changé de stratégie puisque pêcher à la goutte d'eau ça rapporte pas de silure. On vient de placer ce dumbbell à 24 mm et yes. Encore un big silure, génial. Allez. Et voilà, un nouveau big 4. Donc le poisson que j'ai fait juste avant, que je vous ai montré à l'arrivée du combat en bateau, il s'était mis dans un obstacle et on a dû partir en bateau pour le sortir. 2m10, génial. Bon, on fait pas que des bics quand même, hein. Ce serait trop facile sinon. Silure du Rhône, toujours aux olies hybrides. Décidément une belle journée avec encore un joli silure de plus de 2 mètres. Un big 4. Waouh, super début de session avec ce 8e poisson. De 29. Yes. C'est déjà un beau bébé. Ouais, mais comme je vous avais dit au début du film, le team petit à petit s'agrandit avec l'arrivée de Jérôme. Et quelle arrivée, puisque après un poisson légèrement plus petit tout à l'heure, hein, voilà, nouveau record au RH hybride. Avec un gros bébé de 2 m 29. Super arrivé. Ouais.
Je l'ai senti là. Voilà. Vous le voyez sur le sondeur. Et voilà, comme je vous avais dit hier, l'équipe au fur et à mesure se renforce. Aujourd'hui avec l'arrivée de John. Et le poste finalement. Premier poisson, vas-y. 2m32. Génial pour le premier poisson de cette session. Pour les Anglais, c'est à peu près, that's nearly 200 pounds of catfish.21e silure de la session avec 5 poissons de plus de 2 mètres. Celui-ci 1m90, c'est une moyenne qui tourne aux alentours d'un 50, un 60 après. Les RH hybrides fonctionnent super bien. Je crois pas non. C'est la meilleure façon de tester les cannes. Hein. Parti. Regarde ça. Yes! Voilà comme ici. Oh, il est en train de. Oh non! Il va fort là. Hein? Il va vraiment fort. Il s'est amené ce nom. Bon, ben, John, hein? Magnifique. Hein? 22e poisson. Ça fait qu'une journée que je suis ici. Encore un poisson de 2 mètres. Désolé que tu attrapes des poissons si gros, hein. De te fatiguer après ton voyage, mais bon, j'ai déjà mal au poids. Ah, super. Jérôme, hein? 41e silure de la session. Encore un poisson de plus de 2 mètres. Top! Yes! Super session! Dream session! Yes! Oh, on est en train de faire tous les trois. Yes! Allez, on le relâche. Une pêche d'équipe, on le relâche ensemble, mon ami. Super! Hein? Cette superbe session, session de rêve touche à sa fin. John est parti ce matin en avion rejoindre sa famille anglaise. Et puis nous avec Jérôme, on clôture de la meilleure des manières avec encore un silure de plus de 2 mètres. 2 mètres 35 celui-là. Des prises de fou. En fait, on a pris 9 silures de plus de 2 mètres sur 50 silures tout vent. Avec une très grosse moyenne, pas mal de poissons entre 1m80 et 1m95. Superbe. Pour clôturer cette session de test, on a testé de futures cannes pour la saison 2018. Voilà mon ami, on relâche le poisson. Allez. On vous le montre un peu. Allez, on va pas la mettre plus longtemps.